les grands-fils d'Ésaü. Ma prêtresse. Tu as toujours été ainsi, depuis ton enfance. Dis-moi, j'ai toujours été honnête dans tout ce que je te dis. Oui, je sais. Je sais. Ikenga. Ma prêtresse. S'il te plaît, n'oublie pas d'utiliser les Ojuko pour parler avec Ndecha. C'est très, très important. Juste comme nous avons discuté. Ma prêtresse, comment puis-je oublier quelque chose d'aussi important que ça? C'est très important. Très bien. Ma prêtresse. Toi encore? Je suis vraiment désolé pour ce qui s'était passé la fois passée. J'avais vraiment tort. Qu'est-ce que tu veux? Parle! Avant que tu ne regrettes d'avoir posé tes pieds devant moi. Ma prêtresse, je pense que vous avez vraiment peur de me poser une question. Rien juste qui dérange. Il y a un problème, ma prêtresse. C'est lui, l'étranger que j'ai eu à guérir par la sacristie du Seigneur. Depuis, il ne veut pas rester loin de moi. Mais ne t'en fais pas. Je m'occuperai de lui moi-même. Oh. Donc, c'est toi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé pour ça. Je veux juste avec mon épouse. Je sais que tu m'as sauvé la vie. Hein? Je sens comme si j'ai une éternelle bêtise à vivre de toi. Alors, s'il te plaît, elle n'est pas intéressée à tes cadeaux. Et je t'avertis de rester loin de la grande prêtresse d'Awachala. Alors, il faut partir, toi, étranger. Pars avant que tu ne rencontres la mort sur ton chemin. C'est juste un très bon cadeau venant de l'homme innocent. Juste de me faire que je veux vraiment reconnaissant. Je veux sauver la vie et je te suis reconnaissant. Et je dis qu'elle ne veut pas de ton cadeau. Et tu sors. Chibundo. Ezewayo. Récupère le présent. Merci, mon prêtresse. Merci, belle femme. Pas à l'instant. Merci, mon prêtresse. Merci beaucoup. Merci, mon prêtresse. Attends. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est en train de se passer? C'est quoi la chose que tu ne comprends pas? Tu l'as entendu? Il a dit qu'il a amené ses présents en termes de gratitude. Ce n'est pas pour moi. C'est pour la déesse. Partons d'ici. Ikenga! Ikenga! Je ne peux pas le laisser. Jamais. Je préfère mourir plutôt que de regarder épouser une autre femme. Regardez-moi. Ne suis-je pas assez belle? Oh, jamais. Je ne vais pas lui permettre. J'en finirai avec toi. Je peux sentir cette colère dans ton cœur. Oh, Ikenga, tu es là. Oui, je suis ici pour te sauver. Pour te sauver la vie. Abandonne ton plan diabolique. Et que la destinée prévale. Je ne comprends pas tes coups partis. Veux-tu le nier? N'oublie pas que je suis Kenga, le petit-fils d'Izé. Je vois au-delà du naturel. Et permet à Olochi de bénir la fille de Konkonokuma. Oya te kwe kwa koko, Ije.
Oyate kwe kwa mume Amaru yije lavu Nako ashala oyate kwe kwa koko Priestess, don't fall in love Oyate kwe kwa mume Love wanu ongo kwa roke Nako ashala oyate kwe kwa koko Omena lande de kwa lofa Ije Oyate kwe kwa mume Mpitine kwe 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 Nako ashala oyate kwe kwa koko C'est très joli. Et c'est une marque qui coûte cher. Mais pourquoi il fait ça? Si seulement il connaissait les dangers qui tombera sur lui. Oyate kwe kwa mume Akuashala na adigu Nakuashala oyate kwe kwa koko Jafuru kwe lome Je suis vraiment sûr qu'elle va apprécier ce cadeau. Elle a des merveilleux yeux, hein? Mais je n'ai jamais vu une telle beauté chez un machin. Mais parfois je me demande pourquoi est-ce que ces mauvais esprits peuvent aller posséder une très très belle fille pendant qu'il y a beaucoup de vilaines filles en train d'être très malées partout ailleurs, hein? Mais ces esprits sont vraiment égoïstes, très très égoïstes. Ils ne les feront jamais une vilaine fille. Ils vont juste posséder une très très belle fille. J'imagine une belle fille servir une déité dans cette grande foulée. Oh mon, je veux la région à servir cette déité. Comme ça, elle acceptera pour son mari. Afam, Afam, je suis ici pour qu'on en finisse avec cette histoire une fois pour toutes. Afam, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es en train de me traiter de la sorte? T'ignores mes appels, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je ne suis pas folle, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce qui fait tout ceci? Pas encore, Afam. Afam, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas partir. Tu ne partiras nulle part tant que je suis ici. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu fais ça? Bébé, ces derniers temps, je pleure toute la nuit et je ne me fais pas bien. Ça ne va pas, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît. La vérité, c'est que mon corps et mon esprit ont déjà abandonné. Quoi? En fait, que gagnerais-je si je continue à te garder et faire perdre? Et s'il te plaît. Quoi? Et c'est fini. Afam, non, non, ma chérie, ma belle, bébé, Angèle, mon cœur est brisé. Je sais ce que tu ressens. Non, Angèle, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que je ressens. Je vais juste me réveiller de ces rêves. Parce que je crois que je suis en train de rêver. Ce n'est pas réel, ceci n'est pas arrivé. Pourquoi je mérite vraiment ça? Un femme m'a regardé dans les yeux et m'a dit que c'était terminé. Que c'était terminé entre nous. Afam m'a dit que c'est terminé. Une relation qui a duré des années. Mais pour quelle raison si j'ai fait ça? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Es-tu sûr qu'il court derrière une autre femme? S'il te plaît, parle-moi. Arrêtez, bébé. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Je ne crois pas survivre à ça, Angèle. Je ne sais pas survivre à ça. Écoute, tu dois te ressaisir, ok? Ce n'est pas la fin du monde. Tu dois te calmer. Angèle, tu ne comprends donc pas. Je suis traumatisée.
Si je suis montée comme si je... C'est bon, tu dois te ressaisir quand même, Prisca. Mais pourquoi la femme me fait tout ceci? Peux-tu me dire pourquoi? Alors j'irai mieux. Juste dites-moi pourquoi il me fait tout ça. Et j'irai mieux, et je ne vais plus pleurer, et je ne parlerai plus. L'homme que j'ai aimé la femme, je l'ai aimé, et je ne l'ai jamais trompé. J'ai été loyale, j'ai été une copine fidèle. La femme m'a demandé un mariage, et maintenant il me dit que c'est terminé. Tu finiras toujours par trouver celui qui t'appartient. Arrête de pleurer. Arrête de te faire. D'accord, je vais arrêter de pleurer. Je dois partir maintenant, quoi. Je t'appellerai, ok? C'est bon, arrête. D'accord, ok. Je vais pleurer. Je t'appellerai, ok? C'est bon, arrête. C'est bon. D'accord, je... Bye. Bye, ça ira. À femme, à femme. À femme? Ah, femme, pourquoi? Je ne mérite pas ça. Ça, c'est une grosse abomination. C'est incroyable. Comment une fille aussi prometteuse peut commettre un tel mauvais acte dans son cœur? Comment expliquer? Naï, je vous prie, pardon, oui, connu. Ayez pitié, miséricorde, je plaide. En faveur de ma fille, que rien de mal ne lui arrive, je vous prie, pardon. Ferme ta bouche, femme. Garde silence. S'il vous plaît. Ogeba Guadjaro. La prêtresse de Guadjaro. À vous la parole. Femme. Ta fille a commis une abomination. C'est une abomination de planifier d'exécuter le mal contre la prêtresse de Oguachala. Toi et ta fille, vous êtes bannis de Oguachala pour toujours. La jeune prêtresse d'Oguachala, je comprends que vous soyez en colère ainsi que les dieux soient vraiment intéressés. Mais je pense qu'il peut y avoir une mesure de grâce pour cette dame. Cette dame qui a passé beaucoup d'années ici à servir loyalement notre village. Je t'en prie d'avoir pitié. Elle doit apporter 3 grandes chèvres. 25 pièces de noix de cola de Ogojo, 4 coques blancs, 25 paniers d'igname et 100 pièces de cacao dans les 5 jours qui viennent. Ces 5 jours qui viennent, pendant le jour du marché, elle va aller dans la rivière de Ogojo pour la purification. Après cette étape, elle sera pardonnée. Ah, aisez-moi. Merci. Merci. Merci beaucoup, aisez-moi. Merci, merci la grande prêtresse d'Aguachala. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te suis vraiment reconnaissant. Je ne crois pas. Je ne crois pas ceci. Grande sœur, laisse-moi aller te chercher un verre de jus. Je ne suis pas intéressée, ne t'en fais pas. Ça va aller. Je sais. Écoute, je dis ceci. Je sais tout ce qui te dérange. J'ai écouté les conseils de ton ami. Mais si je peux te suggérer, je te dirai de continuer avec la vie. Cependant, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Grande sœur, tu es très belle. Tu as eu de l'argent. Ça et là. Alors continue avec la vie.
Eni, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Grand-sœur, j'ai que toi. Nous avons perdu nos parents au bas âge. S'il te plaît, arrête de te faire ceci. Arrête de faire du mal à cause de l'homme, s'il te plaît. D'accord, Emita. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord, je serai forte. As-tu mangé? Comment est-ce que je peux manger? Comment est-ce que je peux manger alors que tu n'es pas d'humeur? Comment est-ce que je peux manger? T'inquiète, juste va à l'intérieur. Cherche-toi quelque chose à manger, ok? Présentement, j'ai perdu l'appétit. Ah, ok, ne t'inquiète pas, je vais manger après. Juste, vas-y, ok? D'accord, pas de problème. Je vais manger, juste, vas-y, ok? Je vais manger. Je ne sais pas ce qui arrive à la femme. Tu dois bien le vérifier. Parce que la dernière fois que tu m'as appelé au téléphone, avant même que tu finisses tout ce que tu me disais, Afa était déjà là. Alors ouvre les yeux. Est-ce que tu l'as fait quelque chose de mal? Maman, je n'ai vraiment rien fait de mal à Afa. Ah, oui. Je suis sûre que je n'ai rien fait de mal. Maman, je suis juste allée le voir afin de m'excuser pour une chose que je ne connais pas. Il m'a juste mis dehors. Afam m'a mis hors de sa maison. Tu dis vraiment vrai? Je ne sais pas. Non, je dois vraiment l'appeler. Attends, laisse-moi l'appeler. Ah. Non. Et non, quoi? Maman, il est là. Et où? Attends. Ah, c'est comme si c'était une coïncidence. Ah, Afam, je voulais déjà t'appeler avant même que tu sois là. Oui, maman, je suis désolée de ne m'avoir pas dit. Je venais déjà au village. Mon amour. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Hein? Non, du calme. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un problème, parle à ta maman. Oh. Maman, il n'y a pas du tout un problème, d'accord? C'est Lumière? Oui, bien sûr, maman, c'est vraiment ça. Mais le plus grand problème, c'est que je ne pense pas que je pourrais encore m'épouser. Hein? Tu sais, maman, le concept de mariage, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, quand on a beaucoup de passettes, et choisir quelqu'un avec qui tu pourras passer. Je l'aime. Tu ne l'as jamais aimé? Non, vas-y, dis-moi. Hein? Affamé Founa. Affamé Founa. Maman. Affamé Founa. Maman, je n'ai marre de tout ceci. Je ne peux pas continuer à le nier. Hein? Maman, ce qui compte, c'est mes sentiments. Et ce qui compte, c'est choisir la femme avec qui je passerai le reste de ma vie. Maman, je suis ton unique fils. Je comprends le fait que je fais pression pour que je me suis mariée. Wow. Et toute cette manœuvre pendant tout ça, c'est parce que j'avais juste un besoin de plaire. Elle est une très bonne fille, comme je l'ai dit tantôt. Et elle peut toujours trouver quelqu'un d'autre. Alors, s'il te plaît, mon bonheur est la seule chose qui compte ici. S'il te plaît. Prisca, et je pense que tu dois déjà rentrer à la vérité. C'est la vérité. Afam, ce n'est pas toi. Afam, ce n'est pas toi qui parle. Ce que je te dis est sorti de ma bouche. Ah, ce n'est pas vrai. Ma, calmez-vous. Je dis que je ne suis plus chaud à ça. Ça ne vient pas de toi. Afam, pourquoi? Pourquoi? Et s'il te plaît, quand tu auras fini comme ça, tu vas. Hein? Afamé Founa. Afamé Founa. C'est pas normal. Et maman. Afamé Founa. Et maman. Tu plaisantes? Hey! Tu ne sais pas à quel point cette fille t'aime. Raison pour laquelle tu vas choisir une autre fille que elle. De toutes les façons, qui est cette fille que tu as choisie plutôt que cette belle fille? Eh bien, maman, ce n'est personne d'autre que la prêtresse d'Abouadja au village. Quoi? La prêtresse du village Abouadja. Tu te trompes. Je t'ai dit, tu te trompes. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hey! Pourquoi tu veux me ramener une sorcière dans ma maison? Comment l'as-tu appelée? Obanje! Dieu t'a donné une ange.
Tu n'as pas voulu. Tu veux cette obanje. Tu veux te mettre dans le problème, dans le trouble. Et cette fille, il y a fait. Elle est juste en train de subir ce que ses ancêtres ont pu mettre en elle. Alors, écoute, j'ai trouvé la femme et c'est leur cœur. Je suis fatigué de toujours me plaindre, cherchant à faire quelque chose que je n'ai jamais voulu faire. Maman, il s'agit du mariage. Mais si ce n'est pas autre chose, si c'est vraiment question de la vie, laisse-moi venir par la suite. S'il te plaît. Pas de problème. Tu épouseras cette fille quand je ne serai plus en vie. Qui êtes-vous et pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Et où veux-tu aller, monsieur l'étranger? Vous n'avez rien à foutre avec ma destination. Pourquoi vous me mettez-vous en retard tout en me marrant? Je n'ai rien à foutre avec vous, alors s'il vous plaît. Et dis à ces gens, et ces gens de rien plan ou des hommes, de me laisser passer sans me marrer à mon Quel avantage! Ce qui m'énerve, c'est que même pas les dieux ne me parlent pas de cette façon. Tu es dans un lieu étranger, tu peux te perdre, et personne ne saura où tu es. À ce que je sache, la prêtresse t'a déjà guéri. Et tu n'as plus rien à faire dans ces lieux pendant ce sanctuaire. Alors, va-t'en. Et si la prêtresse ne veut plus de moi, alors elle devra me le dire ouvertement en me regardant droit dans les yeux. Je sais qu'elle ne veut pas de moi et je ne viendrai plus. Et donc, s'il vous plaît, laissez-moi passer tranquillement. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Et qu'un gars est plus fort que toi. J'aime ces gens de défi. Alors je voudrais que les choses soient très claires avec vous. Je n'ai rien à foutre avec vous. Laissez-moi passer tranquillement. Je suis en train de vaquer les causes avec et occupez-vous de votre. Laissez-moi partir. Et à chaque fois que vous me verrez à cet endroit, laissez-moi tranquille et laissez-moi passer. Je n'ai rien à foutre avec vous. C'est quoi votre problème? Laissez-moi passer. Hein? Oh. C'est terminé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Respecte-toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je fonctionne bien. Tu vas très bien m'écouter. Respecte-toi. Merde. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis réveillé ce matin, oui. Et j'ai démarré l'aventure. Et je suis sorti. Je ne suis jamais arrivé jusqu'à la piste où j'avais acheté une paix. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ces personnes sont ici? Non, mais attends. Je devrais voir la prêtresse. Je devrais voir, oui. Personne ne peut m'empêcher de voir la prêtresse. Je dois aller la voir.
C'est encore toi. Quoi? Quoi? D'abord, c'est chez nous, chercher. Non, mais c'est ta maison. Ne me pousse pas à bouger, non. Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, cet étranger, tu n'as pas le droit de lui adresser la parole de cette manière. Devant moi. Il est vraiment très grossier. Quand je venais de voir, il a barré la route avec ses hommes. Il m'a demandé de présenter la maison et j'ai refusé. Et le pire dans tout ceci, c'est que mon véhicule a refusé de fonctionner. Et j'essayais de tout faire, mais ça a refusé. Ikenga, je crois t'avoir dit de rester loin de cette affaire. Je peux le gérer. Tu ne peux pas aller aussi loin. Je sais pas. Et Kenga, je t'ai demandé de libérer son véhicule pour qu'il rentre à la maison. Fais-le pour moi. S'il te plaît. Étranger. Hey. Tu peux rentrer à la maison. Ton véhicule est fixé. Merci, ma prêtresse. Pas. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé une chose de plus. Et je t'ai acheté quelque chose d'écrit très important. Quelque chose qui a plus de valeur dans la collection de Paris. Regarde ça. C'est très joli. Alors, je vais juste lui faire porter. Donc, comme ça, c'est une merde. C'est une merde. Prêtresse, ça c'est juste un cadeau. Et je sais que tu vas passer. C'est une des meilleures collections de la ville. Oui, vas-y, passe. C'est juste un cadeau. Et pas plus. Étranger. C'est très dangereux. Ce que tu me demandes est très dangereux. Puisque ceci n'affectera pas seulement moi, mais ça t'affectera aussi toi et tout le village. Prêtresse, ça m'est égal. Aussi longtemps que cela m'affectera, ça m'est égal. Je n'arrive pas à m'y prendre. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je n'arrive pas à imaginer ma vie. La étranger, n'est-ce pas qu'il y a pas mal de filles? D'où tu viens? Prends-en une. Épouse-la. Ma décision est prise. C'est soit toi, le prêtresse de Dieu, soit personne. Étranger, tu es en train de risquer ta vie. Et ça m'est égal mourir pour quelque chose auquel je crois. Et ça m'est égal si je dois mourir pour la joie de mon cœur. Ne sois pas ce genre de mouche têtue qui suit les cadavres jusqu'à la tombe. Ce que tu me demandes
est très dangereux. Tu dois lâcher prise et sauver ta vie. Y a-t-il quelque chose de mal lorsqu'un homme a exprimé ce qu'il a dans son cœur? Y a-t-il quelque chose de mal lorsque quelqu'un doit mourir aussi à quoi une fois? Une prêtresse, ma vie sans toi, rien possible. Je suis prête à payer n'importe quel prix si cela m'exigerait d'être avec toi. Et je suis prête à ça. Ainsi je dis. Étranger, ce que tu cherches est très dangereux et c'est plus profond que toi. Oh, la fierté d'Aguachela. Et s'il te plaît, je veux que tu m'aides. Mon cousin est en souffrance et il a vraiment besoin de toi. S'il te plaît, il souffre terriblement. Il a été mordu par un cobra. Oui, je sais. Et je sais. Je l'ai amené ici parce que je sais que c'est toi qui peux prendre soin de lui. S'il te plaît. T'inquiète. Je prendrai soin de lui. Merci. Je peux vraiment te dire merci. Merci beaucoup. Merci. Je peux rentrer à la maison. Reviens demain pendant la journée. Tu vas les retrouver en forme et en bonne santé. La fierté d'Aguachala. Igeba Aguachala Jafuzo. Sikenga. Vas-y, rentre à la maison. Merci, merci, merci. Je dois déjà partir. Ok. Allez-y. Non, tu ne peux pas mourir avec toi. Non, non, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Non. Non, réveille-toi. Réveille-toi.
Non. Vous m'avez vraiment forcé. Ikenga. Faire quelque chose hors de ma volonté. Ikenga, s'il te plaît, calme-toi. Ikenga, Ikenga, non, pas ça. S'il te plaît, je te prie, pardon. Écoute, ce n'est pas de sa faute. Si quelqu'un doit être puni ici, c'est moi. C'est de ma faute. Non, il n'a rien à voir. Je suis vraiment déçu de toi. Je ne veux absolument rien entendre. Tu as failli à ta mission. À cause de tout ceci, tu as tout perdu. Et il est mort sous tes yeux. Et tu as laissé mon cousin mourir souffrant. Et sache que je ne pourrai jamais, jamais te pardonner. Ikenga, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais que je fais une erreur grave. Je l'accepte. Je te demande pardon. S'il te plaît, je suis désolée. Pardon. Je n'ai rien fait avec lui. S'il te plaît, comprends-moi. Je m'en fous. Ça m'est égal. Oui, j'ai commis une erreur grave. Mais je l'accepte. Je te prie, pardon. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis vraiment désolée. Non. Ikenga, je suis désolée. Je reconnais mon erreur. Je suis désolée. Allez. Ikenga, je suis désolé. Mon très cher frère cousin. La prêtresse n'avait pas tiré attention à toi. Elle n'y avait pas tiré attention qu'elle t'a laissé mourir. Je sais que tu n'es pas heureux partout où tu es, mais s'il te plaît. S'il te plaît, ne te venge pas. Je veux vraiment que tu reposes en paix. Repose-toi en paix. Je ne me rappelle pas de t'avoir invité ici chez moi à la maison. Qu'est-ce que tu cherches? Parle! Je n'ai pas de temps à t'accorder. Ikenga, je suis désolée pour la perte de ton cousin. Oh, vraiment? S'il te plaît, présente mes excuses aux morts. Et tu penses que c'est facile? J'ai amené mon cousin dans ton sanctuaire pour que tu lui sauves la vie. Tu lui as plutôt infligé la mort. Et tu m'as mis dans tous les états. Te voici ici présente pour que je te pardonne. Va. S'il te plaît, Ikenga, comme je l'ai dit, s'il te plaît, mon ami, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ce n'était pas du tout intentionnel. Ikenga, si tu ne peux pas me pardonner, qu'est-ce que tu t'attendras de mort pour moi? S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai apporté ces présents pour apaiser le mort. S'il te plaît, accepte-les. Je te pardonne. Merci. Maintenant, tu es bienvenu chez moi. Merci. Je m'en vais maintenant. On a pas de mode nan, on est pas sûr. Ma mob t'a gardé beaucoup. Ça c'est bien, c'est sûr. On est mieux. C'est bien. Alors s'il te plaît, pardonne la prêtresse. Elle t'a apporté ceci pour que tu apaises ta colère. Et je veux que tu reposes en paix. Pardonne-lui. Et s'il te plaît, pardonne-lui. Je veux que tu reposes en paix. S'il te plaît, pardonne-lui. Mon cher frère.
Repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Ne rends pas la sorcière si tu te fais du mal, d'accord? Repose en paix. Ne fais pas ceci. Hein? Et s'il te plaît, repose en paix. Dans ta prochaine vie, n'ose jamais défier quelqu'un comme moi. Je suis Kinga. Regarde ce que tu t'es cherché. Regarde là où tu t'es mis. Je t'avais interdit. La chose qui t'avait ramené à vie va encore le refaire. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Pas de problème. Et si cet homme ne t'avait pas vu pour te ramener dans cet hôpital, j'allais déjà te trouver mort. Oh, madame. Docteur. Ne pleure pas, ok? Ne pleure pas. Oui, alors, comment va-t-il? Il y a un changement. Madame, comme vous le voyez, il sera guéri. Ne pleure pas. Oui, je sais qu'il ira mieux. Je sais qu'il ira mieux. Donc, je ne sais pas si tu as vraiment un fils pour comprendre tout ça. D'ailleurs, il doit être guéri maintenant, ok? Il sera guéri, ok? Il ira mieux. Il a besoin assez du repos. Ce dont il a besoin maintenant, c'est assez du repos. Cependant, je vous prie d'aller avec moi à la réception. Nous devons parler, s'il vous plaît. Ça suffit. Il sera guéri, madame. Il sera guéri, je vous assure, madame. Allons-y.
Ezewai. 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 Donc, c'est comme ça que vous avez comploté pour tuer mon fils. Mon seul fils. Si quelque chose lui arrive, je ne pardonnerai personne dans ce village. De quoi es-tu en train de parler, femme? Mon fils est là, entre la vie et la mort à l'hôpital. Dis à tout celui qui a contribué que ça ne marchera pas avec eux. Bienvenue chez moi à la maison. Prêtresse d'Agwadjala, que me vaut cette visite? Ikenga, pourquoi tu t'es décidé d'abuser du pouvoir qui t'est donné par ton Uchi, toi les grands fils des rois? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es donc arrivé jusqu'au point de me mentir? Prêtresse d'Agwadjala, est-ce que tu peux aller droit au but? Je n'ai pas de temps. Ça m'intéresse. Vous avez attaqué cet étranger, toi et tes garçons. Sa mère est venue aujourd'hui au sanctuaire en train de pleurer amèrement. Ses garçons et son unique fils. Je les lui avais défendu plusieurs fois, il n'avait pas écouté. Je t'avais dit de rester loin de l'affaire et de me laisser le gérer. Je t'avais dit de rester loin de lui. Tu m'avais demandé de rester loin de lui, comme quoi tu vas tout gérer. Le cœur de la grande prêtresse que je connais prouve autre chose pendant que ses lèvres sortent de choses superflues. Ikenga. Ikenga, est-ce que tu réalises que tu es en train de verser du sang humain? Si ce garçon perd sa vie, sache que ton pouvoir va périr pour toujours. Et si cela arrive, cela sera grâce à toi. Ikenga. Tu n'es pas encore rétabli. Reste ici. Reste ici. Le docteur qui doit prendre soin de toi n'est pas encore là. Reste là. Tu dois te reposer ici. Non, reste là. Reste là. Ne bouge pas. Reste là. On ne va pas rentrer à la maison. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Reste là. Reste ici. Tu veux me tuer ou quoi, hein? Je t'ai dit de rester ici. Ils vont prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'iras nulle part. Oh, cet étranger. Cet étranger. Oh, il devait remercier ses ancêtres qui l'ont vécu. Je voulais les détruire, les faire payer pour ce qu'il avait. Et c'est à cause de cette même étranger. La prêtresse a refusé de servir la terre comme elle en a une habitude. La prêtresse est perdue. Elle est vraiment perdue. À cause de ce même étranger, j'ai tout perdu.
mon amitié avec la prêtresse. C'est envolé, c'est envolé. Et si seulement vous pouvez comprendre ce dans quoi il s'est plongé, si seulement il savait qui est Ikenga. Si seulement il savait qui est Ikenga. Ifene menu ije oyate kwe kwa mume jane mekwe me na kwa shala oyate kwe kwa koko arue melanu ehu oyate kwe kwa agwano bodo agwa shala na kwa shala oyate kwe kwa koko iyo iyo ije oyate kwe kwa mume agwa shala na digu na kwa shala oyate kwe kwa koko. Maman, mama. Onye bụ nwanne m? Onye bụ nwanne m? Onye bụ nwanne m? Eze nwanyị bụ nwanne m? Étranger, tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui te dérange? Ma mère a disparu. Et c'est why. Ma mère n'est pas trouvable. Et je n'arrive pas à la trouver. Ta mère a disparu. Comment es-tu sûr que ta mère serait disparue? Je suis sûr, et c'est moi, j'en suis sûr. Ma maman était censée venir à l'hôpital où j'étais hospitalisé. Je l'ai attendu. Après un moment, j'ai quitté l'hôpital parce que je devais aller la chercher. Je ne pouvais pas la trouver. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé la nourrice qui m'a été censée m'emmener. C'est pas par terre. Il y a un problème, et c'est moi. Et tout ce qu'il y avait comme objet dans cette maison était par terre. Et c'est moi. Il y avait tout était par terre, ils ont moyen. Et quand j'ai vu la porte, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Alors ils ont moyen. Mon maman n'est pas trouvable. Rentre à la maison. Ta mère reviendra à la maison. Prêtresse. Et je devrais aller à la maison. Et je devrais dire que maman n'est pas trouvable. Et tu me demandes d'aller à la maison. Rentre à la maison. Je suis très rassurée qu'elle va te revenir vivante. Pas. C'est pas comme si je suis en train de me déliguer. C'est juste que j'ai besoin de maman pour la maison. C'est tout ce que je te demande. Je veux juste retourner à la maison. Elle me demande. Bon, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est ça. La maison. Je fais que le tour. Et retourne à la maison pour moi. Ikenga, tu as assez maltraité cet homme. Tu commences à aller au-delà des limites. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse cette femme innocente rentrer chez elle. Tu sais à ce qu'il paraît, tu es en train de te battre pour ces garçons. Il doit assumer les conséquences de ce qu'il a pu faire de lui-même. Je veux couper la tête de sa mère et la mettre sur une assiette pour qu'elle y voie. Ikenga,
qu'en est-il de ton pouvoir? Je me fous de tous ces pouvoirs-là. Et cet insensé m'a pratiquement défié, moi et Kinga. Je me fous de ce qu'il revient de mon pouvoir. Je lui donnerai une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et Kinga, c'est ma décision, mon combat, mes conséquences et non le tien. Devrais-je te rappeler que lorsque quelque chose t'attaque toi, ça attaque également tout le monde. Mets ça dans ta tête. Ekenga, le grand-fils de Ezeboube, un très bon ami à moi, le seul ami qui me comprend de l'intérieur comme de l'extérieur. S'il te plaît, je te prie, libère-la, laisse-la partir pour ma cause. S'il te plaît, je te prie de le faire pour moi. Ne touche pas, ça me fait mal. Afamifuna, tu dois quitter cette fille. Afamifuna, s'il te plaît, laisse cette fille tranquille, s'il te plaît. Oh. Cette prêtresse. S'il te plaît, tu dois rentrer en ville. Continue avec tes business. J'ai enfin réalisé que tu es en danger, s'il te plaît. Hey. Donc, on t'a fait tout ce que tu as causé cette fille. Hey, oui, c'est moi qui ai payé le prix. Oh. Ils m'ont grave frappé. Oh. Oh. S'il te plaît, mon fils, laisse cette fille tranquille. S'il te plaît. Maman, je sais maintenant que tu veux que je sois mort. Sans effet. Pas de problème. Je mourrai pour toi, pas de problème. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Laisse-le venir me tuer. Maman, tu vas pas mourir. Je sais que tu as toujours voulu que je sois morte. Maou, laisse-moi mourir. Maou. Pas de problème, je vais mourir. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas, laisse-moi. Laisse-moi. Tu veux que je sois morte, laisse-moi mourir. Depuis que ton père est mort, c'est moi qui prends sur toi, juste moi. Tu es mon seul fils. Mais tu ne veux pas m'écouter. Tu veux que ces gens-là me tuent. Ok, je vais mourir. Non, maman, tu vas pas mourir. Quand je vais mourir, tu peux alors faire tout ce que tu veux. Non, maman, arrête de parler de cette façon. C'est pas un problème. Je vais mourir. Je vais mourir. Maman, ce que vous me demandez de faire, c'est contre la loi de l'hôpital. Hey, docteur, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas, c'est encore flou pour vous. Si tu essaies de laisser cet enfant, il me laissera en trouble. S'il te plaît, je veux que son attention soit focus ici. S'il te plaît, oh. Je suis désolé. Si je fais ceci, je peux perdre même mon travail. Je vais perdre même tout mon intérêt. Docteur, tu vas perdre rien du tout. Regarde, la façon dont ce travail est important pour toi, c'est la même façon que mon fils est important pour moi. Hein? S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Écoute, quand mon fils viendra, dis-lui qu'il doit rester ici, s'il te plaît. Madame, c'est une très lourde charge. Je verrai ce que je pourrais faire. Merci. Docteur, un instant. S'il te plaît, viens.
aide-moi à faire sortir mon fils d'un tout ceci, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh. Madame, madame, ça va, j'ai compris. Oh. Je crois que je me suis toujours sentie différemment. Je ne peux pas continuer comme ça. Toutes ces choses me tirent au sol et je ne l'apprécie pas du tout. Je ne sais plus contrôler mes émotions. Je n'en peux plus. Aisez-moi, Nyeguachala, la grande prêtresse de ce royaume. Je te reçois chez moi. Bienvenue à la maison. Attends. Hein? Hey! Aisez-moi. La grande prêtresse. Attends. Hey. Merci beaucoup. Aisez-moi, Ni. Hein? Bienvenue. Oh. Hey. Hey. Bienvenue. Nimochi. Ma chère. Merci énormément. Grande prêtresse. Ma fille. Nimochi. Ne penses-tu pas que tu dois prendre une grande décision? Oh, Nimochi. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dois abandonner ton trône. Nimochi, mais... comment tu es au courant de cela? Qui te l'a dit? N'oublie pas que je suis ton aînée. Et la puissante grand-mère Aguachala était venue vers moi. Alors ma fille, je peux voir ton cœur. Nemochi, ma chère, c'est la raison pour laquelle je suis venue te voir. Je suis confuse. Je ne sais pas où commencer. Je ne sais quoi faire. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je suis là. T'inquiète. Maman? Afam, Si j'allais de l'autre côté, c'est pas que j'allais te voir, qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais le docteur m'a dit que c'est pas très bien. J'ai vraiment envie de Oui, c'est vrai.
et que ça produit une sévère douleur. Mais pourquoi est-ce que tu es ici? Tu n'as plus confiance en mon Dieu? Ou c'est parce que je ne suis plus allongée dans cet hôpital? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Maman, la manière dont le docteur m'avait expliqué cette situation, j'étais supposée être étalée sur l'hôpital. Il m'avait dit que je dois un peu m'asseoir plus pour que je puisse vite guérir. Maman, pourquoi tu dramatises les choses? Ekin, moi dramatique. Ma hanche surtout me fait très mal. Et mon corps est en train de lâcher. Hey! Maman! Hey! Maman! Hein? Maman! Hey, Ekin, on doit partir. Hein? Tu m'as entendu? Je n'arrive même pas à marcher. Je ne saurais pas. Arrête, s'il te plaît, de faire cette tête. Je veux te laisser ici. Me laisser ici? Voyez-moi ces garçons. Afam. Ma fille Diamaka, est-ce que tu l'aimes? Oui, bien sûr. Je crois que tu connais le danger de ce que tu t'apprêtes à faire. Luchi, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est ma raison d'être ici. Qu'est-ce qui arriverait? J'espère que tu le saches. Parce que s'il t'attrape avant de te libérer, tout le village entier serait à terre. Ça, moi je connais. Ok. Oh mon Dieu, je ne veux plus retourner dans ces villages. Jusqu'à ce que je trouve la solution à ces problèmes. Parce que plus je reste dans ces sanctuaires, plus je deviens nerveuse. Je ne peux rentrer là-bas. Ma fille, une chose est certaine. Toute chose qu'ils feront, si les dieux ne l'approuvent pas, cela ne va pas arriver. Alors attends. Très chers anciens, d'accord, Tchala, vous êtes bienvenus chez moi à la maison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Premièrement, nous vous remercions pour votre accueil. Nous sommes venus pour la prêtresse. Pratiquement, ça fait 4 jours durant qu'elle ne se voit pas. 4 jours? De ces faits, nous sommes venus nous renseigner si vous savez là où elle se trouve. Qu'elle voit un peu le danger qui la guette si elle ne retourne pas aussitôt possible au sanctuaire. Où est-ce qu'elle peut être? Vous voulez dire que la prêtresse est introuvable? Non, je ne sais absolument rien à propos de ça. Je ne suis même pas au courant de ça. Je ne suis pas. Fais-je de LGR Bouvet. Nous sommes surpris d'entendre ça. Venons de toi. Sachant que la France soit chez toi, es-tu désormais en France? Et elle a beaucoup de pouvoir. Et voilà pourquoi l'ONU a laissé toute la responsabilité concernant Agua Tchala. Entre tes mains, alors là, nous sommes perdus. Et où irons-nous encore? Il est vraiment connu de tout ce que cette responsabilité relève de ta compétence. Mes anciens, c'est très bien. On ne va plus se plaindre pour ça. Non, je vous assure que nous allons bien résoudre ce problème, d'accord? S'il vous plaît, faites ceci pour nous. Au cas où il retourne, ce serait une bonne chose. Et comme je l'ai dit, vous n'avez plus à vous inquiéter. Je vais m'assurer que ces problèmes soient résolus le plus rapidement possible. Prêtresse, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu parais très fatiguée et faible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas du tout bien. Je suis tellement confuse. Oui. Écoute, tu ne peux pas être confuse. Regarde, écoute-moi, prêtresse. Je resterai avec toi jusqu'à la fin des temps. Oui. Dans ce cas, trouve-moi. Oui. J'ai besoin de toi. Je me sens toute seule. Trouve-moi.
Trouve-moi. Devrais-je te trouver? Oui. Oui. Prêtresse. Trouve-moi. Que veux-tu dire? Je devrais te trouver. Prêtresse. Prêtresse. Ikenga, jusqu'où nous devons vivre de cette manière? Nous dis-moi jusqu'où? Chaque jour, il y a un de passage de nombre de nos jeunes qui souffrent. Pas à manger, pas de l'eau, même ceux du village voisin qui viennent souvent nous demander. Maintenant, ils nous ridiculisent de toute façon. Ikenga, jusqu'au quand? Ikenga, regarde-toi. Regarde-toi, tu es tellement nonchalante que tu ne sais même pas comment t'y prendre. Les gens sont en train de mourir. Ils meurent. Ikenga, je ne sais plus quoi te dire. Hein? Ikenga, écoute, nous devons faire quelque chose. La mort est en train de frapper presque partout. Partout, la calamité. Vous savez, je suis vraiment déçu que vous tous, les anciens, chez moi à la maison, et parler cette façon. J'arrive plus à vous comprendre. J'ai fait de mon mieux, tout c'est de mon pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes venus parce que nous savons que tu es capable de faire quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes venus. Vous pensez que je n'ai rien fait? Écoutez, je ne suis pas la prêtresse. Et si vous sentez que je ne suis capable de ne rien faire, alors allez la chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes tous supposés et nous réunir. Comme ça, nous allons trouver cette situation au lieu de crier sur moi. Comme ça. Pour quelle raison? Ikenga. Non, mais deux fois, je te rappelle que c'est toi, Ikenga. Tu ne peux pas croiser les bras. Espérer que le ciel peut t'aider. Calmez-vous, ça sera déjà. Prêtresse. Oh, Dieu, je t'ai trouvé, hein. Oh, mon Dieu. Je suis désolé, je suis dans la brousse. Je suis au sanctuaire, je t'ai trouvé. Ne parle pas de ce que tu vois. Sois le bienvenu. Ta présence m'a beaucoup manqué. Wow. Je te salue. Bienvenue, toi, grand-fils de Keke Amanaso, le petit-fils d'Omameso, et l'arrière-petit-fils, tu m'en voulais nous. Garde tes questions, parce que ce que tu ne peux pas savoir est plus grand que toi. Ma fille, Oluchi, laisse-moi aller trouver quelque chose pour notre invité. Merci, prenez soin de vous. Je n'étais pas au sanctuaire. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis décidé de tout abandonner. Oui, je sais que c'est une décision très dangereuse. Mais je ne peux plus nier les sentiments que je porte pour toi, les émotions que j'ai. C'est bien, alors. C'est la meilleure décision que tu as prise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Tu sais quoi? Viens avec moi. Viens avec moi. Viens. Viens, on va vivre notre propre vie. On vit bien. Viens avec moi. Viens. Donc, c'est toi. C'est toi qui poses toutes ces choses. Je n'ai pas peur de toi. Toi, étranger, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Laisse-la tranquille. Je vais te gérer d'une autre façon. De ma propre façon. Tu ne feras absolument rien. Chère prêtresse d'Aguachala, Igia Guachala Jafuzu, Omalicha Guachala Jafuzu, s'il te plaît,
et suis-moi s'il te plaît. Tu manques beaucoup au peuple d'Aguachenga. Ils ont besoin de toi. Et viens avec moi. Non, je ne peux pas. Ikenga, je ne saurais rentrer là-bas. Je vais vivre une vie normale. Tu sais, je suis ici à cause de l'amitié que nous avons toujours partagée. Et si pas pour moi, mais à cause du peuple aguachen. Ce peuple innocent qui meurt, s'il te plaît, allons le sauver, s'il te plaît. J'ai dit non. Tu as entendu? Non, Ikenga. Je vais aller nulle part. Si je ne veux pas le suivre là, aguachen, il ne me restera aucun autre choix que de le tuer. Ikenga, n'essaie pas faire ça. N'ose pas les toucher. N'ose pas les toucher. Ne les touche pas. Ne les touche pas. Si tu oses, tu verras. Ikenga. Ikenga. Qu'est-ce que tu viens de faire? Maintenant, écoute-moi, écoute-moi attentivement. Je ne veux te donner que 4 jours. Juste 4 jours. Sinon, je vais te ramener sa tête sur un plateau. Tu me connais très bien. Ikenga, tu ne le feras pas. Ikenga, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le feras pas. Ikenga! Non, tu... Non. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui dois-je appeler? Il sait. Moi, comment tu vas? S'il te plaît, est-ce que mon fils t'a peut-être appelé? Non! Il était venu au village me voir. Mais soudainement, il a disparu. Je dois appeler Prisca. Ok. Merci. Né. Est-ce qu'il y a une femme t'a appelé? Ah. Il t'a pas appelé? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il peut être? Qui dois-je encore appeler? Je me sens malade. J'en ai assez de tout ceci. J'ai l'impression de me débarrasser de tout ceci pour me rendre libre. Mais comment? Si tu n'es pas propre, les dieux seront après toi et te puniront sévèrement. Dans ce cas, mais... qu'est-ce que je fais? Ma fille. J'en ai marre. Ma fille, laisse que les dieux décident pour toi. Ikenga l'a détourné de moi. Je sens sa peine. Oui. C'est vraiment une peine. Alors tu dois partir. De peur qu'il ne le tue. Oui. Mais... pour son bien, va et sauve-le. Oh, mon mari,
remercions Dieu que je t'ai rencontré. J'étais même en route pour venir chez toi. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils a disparu. Afamé Mfuna. Qui d'autre? Non. Afamé Mfuna peut être à l'étranger. Il peut voyager, aller voir ses amis. Non, il ne faut pas dire ça. Il n'y a rien qui peut arriver à Afamé Mfuna. Il est bien pourtant. Mon fils est en danger. Il est en danger. Je peux le sentir. Est-ce que... Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? S'il te plaît, suis-moi. Au village d'Aguatolo, s'il te plaît. Aguatolo, il y a une très longue distance. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il s'agit d'un seul fils de ton frère. Non! Ditché, j'ai dit non. Personne ne se préoccupe de mes sentiments. Je dois être libre. Je dois être libre de ces liens. Écoutez, les dieux ne m'adressent plus parole. Dites-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je dois être affranchi. Mais personne ne pense à moi. Rentrez à la maison et trouvez-vous une autre prêtresse. Mais le gens meurt. Pas à manger, pas de l'eau. La pleurie règne dans notre beau village Guatemala. La paix nous voulons que tu fasses quelque chose. Et alors? Oh! Vous voulez donc que je reste ici et que je sois en train de résoudre vos problèmes toute ma vie pendant que personne ne pense à moi? Écoutez, rentrez à la maison. À ce niveau, sachez que j'en ai marre. Je plaide pour ma liberté. Je vais être affranchi. Je vais être libre de tous ces liens. Dike. Oh, prêtresse d'Aguachela. Bienvenue chez moi à la maison. Peux-tu... Ikenga, pourquoi tu veux me causer des problèmes? Pourquoi? Je fais tout ceci à cause de lui. Il a fait les sourds d'oreilles à mes avertissements. Ikenga, laisse-les partir. Je l'aime. Tu ne pourras donc les changer. Et tu penses que moi, je ne t'aime pas? Ça m'est égal aussi. J'étais aimé du plus profond de mon cœur. Mais je n'ai pas pu laisser mes émotions m'emporter. Je ne l'ai pas fait. Tu pensais que je m'en fous, que je ne t'aimais pas. Alors que ce n'était pas vrai. J'étais supposé me marier avec toi, mais c'est à cause de toi que j'ai refusé ce mariage. C'était juste garder ce village en paix et non nous infliger la misère. Ce garçon était censé faire la même chose, mais il a refusé. Et tu es ici pour me mettre en garde? Ikenga, si quelque chose de mal lui est arrivé, sache que tu seras mon ennemi toute la vie. Et tu penses que ça m'inquiète? Ça m'est égal. Ikenga, tu ne m'iras pas voir mon autre face. Oh, apaise-toi. Ne sois donc pas fou jusqu'au point de me provoquer. Apaise-toi. Apaise-toi. Je suis Ikenga. Ikenga Rulada Jury. Ikenga Rulada Jury. Il est impossible pour moi de croiser les bêtes, voir cette bête infliger la misère à mon peuple. Et je combats pour une cause juste et je n'ai peur de rien. Vous pensez que vous allez me faire chanter comme vous l'avez fait avant? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Je suis prêt à me battre. Tu l'as empêché de m'aimer. Tu n'as donc pas à me blâmer. Qui sait ce qu'ils ont fait à mon fils? On ne combat pas la destinée. Mais toi, tu as osé. Cependant, moi, je fais du mieux pour les libérer. Seuls les anciens vont décider. Prêtresse, comment est-ce que nous pouvons le voir? Hein? Pourvu qu'on trouve une solution. La personne en question, c'est un fils de mon frère. C'est un garçon unique. S'il vous plaît, pardon. T'inquiète, maman. Calme-toi.
et rentre à la maison. Ses problèmes seront bien résolus. Oh, vraiment. S'il vous plaît, nous avons confiance en vous. Rentrez à la maison. Rentrons à la maison. Calme-toi. Elle peut nous faire faveur. Gardons silence. S'il te plaît, calme-toi. Écoute. Je te prie de ne pas beaucoup t'inquiéter. Il ira mieux. Calme-toi. Tu l'as vu comment tout ira mieux. Comment je serai sûre qu'il va survivre dans ça? Je crois fortement à la prêtresse. Elle a dit que nous pourrions lui faire confiance et croire en elle. Alors fais-lui un peu confiance. Calme-toi. Si quelque chose arrive à mon fils, je ne pardonnerai jamais le village tout entier d'Amadjana. Rien de mal ne peut lui arriver. C'est bon. C'est le fils de mon frère. Il ne faut pas que tu sois de passé. Ils veulent ma vie. Oh, ils veulent ma vie. Écoute, arrête de pleurer. Va à la maison. Mange. Relaxe-toi. Il va venir. Sois calme. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Non. Maïno, tu me l'as raconté de manière intéressante, mais je me sens toujours confuse. Elle m'a expliqué comment moi et Kinga étions connectés pour me marier. Elle a dit que nous nous sommes faits pour toujours être ensemble. Mais la destinée s'est décidée autrement. Et ainsi, notre pouvoir a été partagé et qu'il est le seul qui peut m'affranchir de tous ces liens. Je me sens tellement confuse. C'est ça la raison pour laquelle je suis venue vous voir pour que vous puissiez m'orienter ou me donner une idée sur comment me prendre. Frère, qu'est-ce que tu as Naï. Tu n'as pas le temps de ce que tu veux. Et nous, tu as raison. Elle a raison. Oui. Et Kenya est la seule personne qui m'a délibéré tout ça. C'est soit lui, soit personne d'autre. Merci. Merci, j'ai bien compris. Regarde, je ne voudrais pas que tu sois confuse. Essaye un peu de te calmer. Ne t'inquiète surtout pas. Tout se passera très bien. Et surtout, ne prends aucune de tes sortes que tu te plains. Merci, Maï. Ne t'inquiète plus, comme je t'ai dit. Merci, Maï. Mais retiens que Ikenga est la seule personne qui pourra me libérer de tout ceci. Merci, Naï. Que le Dieu soit avec toi. Avec toi également. Regardez son état. Regardez son état, s'il vous plaît, aidez-moi. Calme-toi, écoutons-moi. Madame. Monsieur. Ça, c'est la première fois. Le peuple d'Ouattara traverse cette étape de misère. La pauvreté, la pénurie d'eau, rien à manger, la mort. Quand je dis ceci, c'est parce que beaucoup de gens sont morts à cause de cette situation. Il était venu dans les sanctuaires des prêtresses. Il était averti plusieurs fois, mais il a persisté. Donc, laisse-le rencontrer les conséquences de ce qu'il a fait. Voilà ce que je peux dire. Je vous savais. Ce jeune homme ici est présent est l'unique fils de mon défunt frère. Et le peuple d'Abouachala a toujours été respecté à cause de sa coutume, de son hospitalité et de sa paix. Et pour l'amour de cette femme ici présente, s'il te plaît, essaie de nous faire grâce. Madame, messieurs, à cause de vous, nous pouvons le pardonner à une seule condition. La seule et unique condition. Et quoi que la condition soit, c'est pour ça que nous sommes ici. Ok. Il va jurer avec le sceptre des Ndiche que, à n'importe quel moment de sa vie, ses pieds piétineront la terre de Ouattara. Il sera frappé de la mort par Omuma Enigwe. S'il te plaît. S'il te plaît, si quelque chose t'arrive, je vais mourir. C'est mon silence. Tu vois ça?
il finira par mourir. Ikenga, c'est comme je l'ai dit. Je suis désolée de la manière avec laquelle je te parlais dernièrement. Je m'étais laissé emporter, crois-moi, je m'étais laissé emporter. Mon meilleur ami, s'il te plaît. Chère prêtresse d'Aguachala, Anjala Agola Jadstou, ce que je cherche à faire, c'est pour l'intérêt de mon village, rien de plus. Et Kinga, je sais comment tu te sens encore pour ma décision. Mais tu es mon meilleur ami, mon ami de l'enfance. Je m'attends à ce que tu me comprennes, s'il te plaît. S'il te plaît, Kinga, même si je reprenais ma fonction de prêtresse de Oguachala, les choses vont aller de mal en pire. Ikenga, la déesse ne m'adresse plus parole. En quoi serais-je encore utile au sanctuaire, Ikenga? S'il te plaît, comprends-moi. Biko. Est-ce que tu connais les conséquences qui en découlent de ta décision? Non. On ne peut pas accepter ça. Les choses iront de mal en pire. Si on se met à accepter ça, les choses continueront à s'empirer si elle restait la prêtresse d'Aguachala. Bien sûr, elle n'a plus aucun intérêt de rester la prêtresse. Donc nous ne pouvons pas la forcer à être là. D'ailleurs, Aguachala n'arrive plus à lui parler. Donc elle n'a aucune utilité d'être là. Tu veux dire que Aguachala ne lui parle pas du tout? Si je peux demander si elle se retire d'être la prêtresse d'Aguachala. Où est-ce que nous arriverons? Ou laissez la déesse décider. Laissons la déesse décider. Parce qu'on ne peut pas laisser commettre de l'impunité comme ça. Et notre peuple va mourir. Non. Et telle est ma suggestion. Voir ma décision. Qui es-tu? Qui es-tu? Montre-toi. Je t'ordonne de montrer ton visage. Cela signifie. Prépare-toi. Demain, nous aurons rendez-vous avec Aguachala, ainsi que les anciens. Et c'est là que l'esprit de la grande prêtresse te sera ôté. Nous allons procéder au rituel. Tu seras libre. Ikenga, merci, merci, merci d'être toujours là pour moi. J'apprécie tes efforts. Alors prépare-toi. Il faudrait que j'apporte 4 vaches, 4 mangolas et une poule blanche, ainsi qu'une chèvre. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais me rassurer d'apporter tout ce qu'ils m'ont demandé. Merci. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Oui. Oh,
mbara agwa chala ese nwanyi agwa chala aye kenego se Et c'est moi, Guachala. Ta fille est ici. Et s'il te plaît, je te supplie pour sa part. Ouvre tes oreilles, écoute ce qu'elle a à dire. Je te salue une fois de plus, et c'est moi, Guachala. Tu peux parler. Agwa chala nne. Achalu bo nwanyi. Nomu bioma. Dile nwanyi. Je te salue. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis désolée pour ma décision. Je vous prie de me pardonner. Je ne vous rejette pas. Je continue de croire en vous. Tout ce que je veux, c'est que vous puissiez me rendre libre. Je vais vivre une vie normale comme toutes les jeunes filles. Je vais me marier et avoir mes propres enfants. S'il te plaît, pardonne-moi. Aie pitié de moi et délivre-moi. Affranchis-moi pour toujours. Ekenego. Tu peux jeter ces graines l'une après l'autre. Tu peux t'allonger. Au moins, oui, Kenga, mais Kenga, voilà, d'ailleurs, oui. Mais il y a un peu de mal à la maison. Il y a un peu de mal à la maison. Il y a un peu de mal à la maison. Il y a un peu de mal à la maison. Il y a un peu de mal à la maison. Il y a Ese moñi agua chela. Ise. Ese moñi agua chela. Ese moñi obi kuma. Ese moñi. Ekene. Asa na de mother bona no. Onyi to. Nan clean click on include the major road the news. Patana na we sine gogidi gogidi. Gogidi ade amma ni sine sia de gogidi 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 anyu fe yo no. Oh fuck you de jawan. Amelum nan jo for the dog. Manage more for no dog. It was a quick ordinary way to get in this. You can even get a Canadian way. Canadian.
tu paies ta l'objet. Apo di mo se asimuje. Aya kamne. Ese wa ni agwa chala. Agwa chala ti bi. Ese wa ni agwa chala. Ese wa ni agwa chala. Ese wa ni agwa chala. C'est fait! Tu es libéré de la déité. Tu peux t'élever. Et ton temps est arrivé. Et maintenant, tu es libre de vivre ta vie normale, comme toute femme. Tu es maintenant libre. Il n'y a plus de lien entre un humain et un esprit. Merci, Ikenga. Merci à vous, les anciens. Laisse-moi t'apporter un truc à manger et après je t'accompagnerai à l'hôpital. Oh yeah, vas-y, mange, oh yeah. Vas-y, mange. Oh, excuse-moi. N'est-ce pas c'est toi la prêtresse? Maman, elle était la prêtresse, elle était, elle ne l'est plus. Hein? Et chérie, s'il te plaît, une jambe. Une jambe. Et c'est de bien traiter à la famille de Palou. Non, ça ne l'est pas. Non, je ne saurais les manger. Hein? Je n'ai jamais mangé un autre mets depuis mon enfance, si c'est mis des lignes frites avec l'huile de palme. Et étant prêtresse, nous ne sommes pas permis de manger n'importe quoi. J'ai mouru. Je sais que je suis libre, mais j'ai quand même un petit peu peur. Écoute-moi, tu
Tu as été dissocié de cette affaire. Tu es un homme libre. Est-ce que tu comprends ça? Et tu peux manger tout ce que tu veux. Et si tu veux comprendre, c'est simple que ça. Et s'il te plaît. Et tu vas aimer. Regarde ça. Regarde. C'est très très bien. Regarde. 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 C'est très très bien. Écoute, tu vas vraiment aimer. C'est bon, tu as aimé. Tu as besoin d'eau. Je peux t'ajouter. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est? Maman. Ah. C'est la perle, maman. Hein? Maman, je suis prête. Maman, je suis approchée. Maman, maman. Mais, s'il te plaît. Alors, qui a pris ta place? L'une des jeunes filles de Aguachala était choisie. Pour me remplacer, je suis donc affranchie. Je peux me marier et avoir mes propres enfants. Es-tu sûr? Oui. Maman, s'il te plaît, je sais que je vous ai causé beaucoup de tort, toi et ton fils. Je te prie de me pardonner. Je suis désolée. Crois-moi. Aie pitié. Maman, s'il te plaît. Libre, s'il te plaît. Maman, je t'en supplie, maman. Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie, maman. Les voilà venir. Ah, les anciens de Bachel, désolé de leur faire attendre ici. Et quel gars, le fils de Zaboubé, est-ce que Azan Bachel a parlé? Bien sûr, il y a un message pour vous. Bien, Aguachel a choisi Tchibouboulou. La fille d'un Chibouane qui a réussi à s'entuer. Comme la prochaine perfesse d'Aguachel. C'est maintenant que tu as bien parlé. Alors nous devons voir Yimou rapidement pour lui faire savoir. Bien sûr. Bien sûr. Parce que plus nous retardons, plus viendra le danger. Donc nous pouvons partir. Ok, allons-y. On est vraiment chanceux. C'est une bonne chance pour moi. Oh. Mes salutations, Ikenga, le petit-fils de Egoboubé. Vous m'avez fait venir. Bonjour. Oui, exactement. Je t'ai cherché. Prends place. Bien. Tu sais, quand quelqu'un répond à la peine d'Isolati, il y a un grand soleil brillant qui s'étire sur le firmament. Tu as le pouvoir de contrôler l'univers. Et je te demande, Chibundu, la fille de Chibundu, et qu'est-ce qu'il en sera si je t'annonce que les dieux t'ont choisi pour la prochaine prêtresse d'Aguachal? Je suis vraiment honorée. Du plus profond de mon cœur, je veux servir le grand Aguachal. Je suis très heureux d'entendre ceci. J'aurais voulu que tu aies à la maison, que tu réfléchisses pour moi.
revenir ici après 4 jours afin que tu t'affirmes. Grand Ikenga, il y a ni le besoin d'y penser. Si seulement les dieux m'ont choisi comme la prochaine prêtresse, qui suis-je pour dire non? Mon corps et mon âme sont prêts à servir la grande Aguachala. Oui, je suis très heureux. Je suis très satisfait d'entendre ceci pour toi. C'est très bien. Je dois retourner au sanctuaire. Très bien. Ah bon? Ikenga. Ah, s'il te plaît, après ma nourriture, j'ai très faim. D'accord, Ikenga. Laissez-moi, Yagwachala. Il est temps. Il est temps que tu fasses ce que tu m'as envoyé de faire. Je ne sais pas si tu as un cadre. Regarde par terre. Si tu es vraiment celle qu'il a choisie, et par la grande, et c'est Wanya Guachala, tu vas vraiment voir cette craque qui est cachée par l'esprit. Comme ça, tu iras prendre ça. Au guide de Yawan, ça c'est plus pour le préfet de Kenya ici. Jette la ligne. Ok. Oui. À fond. Pourquoi? Il est maintenant temps de te consacrer comme prêtresse. Maintenant que tu as accepté cet appel venant de la grande Ezemoanya Guachala, il y a des choses qui doivent être faites qui n'ont pas encore été faites. Alors il est temps pour toi de prêter serment que tu vas servir Ezewanya Guachala jusqu'à la fin. Et comme ça, ton sort sera scellé. Ezewanya Guachala, je promets de te servir jusqu'à ma mort. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Voilà le pouvoir qui m'a été conféré en tant qu'Ikenga par Aguachala. Je vais par la présente te faire porter cette couronne. Et c'est... Enfant qui déjà ou à nous. Je vais par la présente passer l'étendard de la divinité de la prêtresse de Guachala. Ça a été fait. Longue vie
et prêtresse d'Aguachala. C'est... Longue vie, prêtresse d'Aguachala. C'est... Aguachala, et je vais vous dire merci, merci beaucoup pour m'avoir accepté comme votre belle-fille. Et je suis très honorée, je crois que c'est la meilleure des décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie. Merci énormément, maman. Et je te promets que je ne vais pas te décevoir. Je te rendrai fière. Je vais bien prendre soin de ton fils. Que pourrais-je dire de plus? Je voudrais juste vous dire merci à vous. Vous savez, non, ce n'est jamais facile de faire tout ceci. Hein? Mais nous y sommes vraiment pas. Merci. Merci beaucoup. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont